Oh là là. Oh le nord. Et salut tout le monde, c'est Nerdineux, donc on se retrouve pour une petite vidéo. Encore avec une voiture, on a juste de la fabriquer. Voilà, on avait gardé des pièces sur nous et on est tombé dessus. Donc on est avec Inoxys toujours. Salut tout le monde. Voilà, donc on va faire pas mal de vidéos à deux puisque c'est un jeu qu'on a attendu tous les deux en même temps. Et que voilà, donc on va le suivre. Il est plutôt pas mal pour l'instant. Ah, franchement, pour l'instant, il est pas mal. Voilà, il y a la masse de trucs. Il y a plein de trucs à découvrir et ça qui est vraiment sympa, c'est qu'on en découvre tous les jours en fait, en tout cas pour l'instant. Et vu qu'il va y avoir des matchs, je pense qu'on va en découvrir encore longtemps. Donc là on est sur la map, on est au niveau de Ganchito Takito, donc en haut à droite. Et on va essayer d'aller dans la zone noire, donc celle qui est tout en haut à gauche, qu'on ne voit sur aucune map. On va aller visiter la route, voir où ça mène tout ça. Donc voilà, on a pas mal marché, on est blindé. Alors là, je vais descendre de la voiture juste pour vous montrer un peu mon inventaire pour ne pas user trop d'essence. Donc on est vraiment pas mal de trucs. J'ai fait des Blackberry Juice, donc en mettant des Blackberry avec de l'eau purifiée. Du coup voilà, ça va permettre de donner de la santé et pas mal d'hydratation. Sinon bon, j'ai pas mal de pièces de véhicule parce qu'en fait celui-là en fait il était presque complet. Et nous il nous manquait la batterie pour en faire un, et donc du coup voilà, on a pu le compléter comme ça. Donc j'ai un turbo, voilà des conneries. Niveau armes, j'ai chopé une AR-15, mais on n'a pas chopé de munitions encore. Et je crois qu'elles sont pas craftables pour le moment, du coup voilà. C'est le point noir. Ouais, c'est le point noir pour l'instant, ouais. On n'a pas pu tirer vraiment avec des armes. D'ailleurs, on n'a pas pu tirer du tout, à part un arc. Voilà, j'ai un couteau de combat, donc ça c'est assez classique, et des jumelles. Voilà, et toi du coup, Inoxys, t'as quoi sur toi? Alors, de spécial, j'ai... T'avais fait un arc spécial, non? Ouais, un pied de biche, donc vas-y, ouais. Le pied de biche, alors, on a pris. Lorsqu'on tape des voitures abandonnées avec un pied de biche, ça nous donne des bouts de métal. Donc, voilà. Ensuite, j'ai un sniper aussi, mais bon, pas de balles. Voilà. Donc, pas utile. Ouais, ouais. Sinon, Et t'avais fait un arc aussi, t'as fait un arc spécial. Non, alors, tu l'as toujours. Arc, ouais, je l'ai toujours. Donc, il faut trouver une bobine de fil. Et ensuite ajouter deux sticks de bois, des bâtons. Avec ça, des bouts de vêtements, scrap of cloth. Et voilà, ça fait un arc un peu plus puissant que celui de base. Voilà, donc du coup, le métal, en tapant les voitures, donc on peut choper du métal avec un pied de biche. Et avec ce métal, on peut du coup faire une hachette, des conneries comme ça qui peuvent pas mal servir. Alors là, à mon avis, on va pas pouvoir passer, donc ouais. On peut pas tenter. Ouais, on va pas tenter. Hier, d'ailleurs, j'ai vu des mecs qui roulaient sur l'eau, mais là, je suis trop content d'avoir qu'on ait une voiture pour tenter ça. Ouais, il y a un petit chemin en terre, peut-être. Ouais. Oh là là. Voilà, et pour ce qui est du fuel, du coup, on en sait un peu plus qu'hier, donc on peut le choper, le trouver, ou le fabriquer tout simplement avec de la graisse d'animal, qu'on va crafter du biofuel. Biofuel. Ça a l'air sympa cette zone. Ouais, c'est une zone un peu naturelle. Il n'y a pas grand monde ici. Du coup, ça peut être sympa. Là-bas, il n'y a pas Descends pas. Il y a un genre de. Un flair. Ouais, j'ai vu un flair. Ouais. Je pense qu'il y a quelqu'un. Bon, j'ai déjà des freins à main, mais c'est pas ouf. On va reprendre la route alors vers l'ouest. Du coup, donc là, il me semble qu'on part bien vers l'ouest. On doit être sur une Ting Drive. Donc la route tout en haut, la dernière route. Voilà. On va aller voir cette zone non référencée. On a tous les deux un casque à la tête pour la sécurité, donc n'oubliez jamais de mettre votre casque en voiture. Quand vous faites du rallye. Sur un circuit donc. Là on a trouvé une voiture mais sans le casque on conduit pas, c'est trop dangereux. On pas de risque. Faut pas un tonneau s'il te plaît. Ah non, je voulais juste voir s'il n'y avait pas une autre voiture. Parce que tu sais qu'au final, j'ai mis que un spark plug. Donc si on retrouve une voiture avec un spark plug qui manque, on peut se faire une deuxième caisse. Alors, ça serait vraiment excellent. Il manquait juste un truc dessus. Juste vers le panneau sur la droite. Alors, ouais, reviens. Ah, c'est bien, on est bien sur Hunter Drive. Du coup, c'est cool. Alors, au niveau du véhicule, donc I pour voir des infos sur le véhicule, on est à 62% de fuel. On est parti, on avait 75%. Donc là-dessus, ça va, ça descend même moins vite que l'énergie au final. Ouais, c'est vrai. Parce que l'énergie, ça descend vraiment super vite.
Il me semble avoir vu quelqu'un sur la gauche, sur les caravanes. Ah ouais? Ouais, j'ai cru voir aussi un mec. Et par contre, il y a un autre pick-up. Est-ce qu'il a abandonné? Celui-là, il a abandonné, ouais. Ouais. Non, mais à l'intérieur de l'enceinte. Ah ouais. Il y avait une map d'ailleurs à l'intérieur. Ah voilà, donc là on arrive à la dernière route à gauche, il me semble. Peut-être l'avant-dernière. Non, c'est la dernière, c'est ça. C'est une ligne droite perpendiculaire, donc ça doit être celle-ci. Donc oui, la route qui est d'ailleurs, là, elle a pas de nom. C'est celle qui allait d'amener à Pleasant Valley. Bon, on va continuer alors. On va aller voir. Visite. Et cette zone, au final, Pleasant Valley, ça a l'air d'être une grande ville. Donc il doit y avoir pas mal de monde, je pense. Quoique j'ai jamais spawné là-bas, donc peut-être pas. Mais la route, elle mène directement dans la zone non référencée aussi, donc peut-être qu'on va croiser du monde au final là-haut. Plus que où on est là actuellement, où il y a vraiment peu de monde. On va voir. On va voir ça. Voilà. Sinon, au niveau des trucs qu'on aurait pu découvrir intéressants, on peut faire des briquets avec. On en a pas crafté du coup. J'ai pas envie de dire des conneries, mais je sais que ça se fait. Il me semble avec un petit peu de bois et des bouts de tissu. Mais on n'en a pas craft aujourd'hui, j'en avais hier, c'est un gars qui me les avait filés. Ah, je vais essayer du coup. Ouais, il me semble que ça se fait assez facilement. Ah oui, on a trouvé comment faire des flares avec du coup. C'est comment ça s'appelle le truc pour faire les flares? Fertiliseur. Du fertilisant, voilà. Et voilà. C'est tout. Ça, j'ai jamais vu cette ville encore. Ouais, là c'est la première fois qu'on vient ici. Alors on peut soit cacher la voiture et essayer d'aller trouver peut-être des balles, qui sait, ou alors on continue comme tu veux. Ben, ce qu'on va faire, je pense que c'est que toi tu vas rester dans la caisse. Sinon tu peux pas enlever les composants de la voiture, tu les gardes sur toi. Moi personnellement. Ah ouais. Mais j'ai peur qu'on tous, je sais pas. Bon, encore ouais, on va faire ça. Genre deux. Ah ouais. Donc on va faire ça. Ah merde. Ouais, on va faire ça maintenant. C'est le truc le plus safe possible. Donc I. Non, il faut être dedans, ok. I, et là je prends le moteur. Non, pas le moteur, je prends Spark Plug du coup. Je prends la batterie. Essaye de la prendre, hein. C'est peut-être pas possible. Le truc c'est que je sais pas si j'ai la. La batterie elle pèse 100. Est-ce que t'aurais 100 de place ou pas? Attends, reste dans la voiture. J'ai entendu un mec. Reste dans la voiture. Non, reste dans la voiture. Ah, mais je regardais juste si. C'est bizarre, elle a démarré alors que j'avais pas les pièces. Ah là, ok. T'as entendu un mec? C'est moi qui ai marché, oui. Non? Bon. Non, mais quand j'étais dans la maison. Je sais pas. Bon. Oh, sinon, bah. C'est bon, t'as enlevé un composant là, non? Ouais, mais j'aimerais bien enlever. Si tu peux enlever la batterie, ça serait optimal. Attends, je regarde un truc, hein. Parce que le boost, au final le boost c'est le turbo, ouais. Donc si t'enlèves la batterie, au final j'ai toutes les pièces pour refaire une voiture. Donc elle pèse que 50. Y'a un mec, démarre. Ah, pas. Non, c'est bon, y'a pas la pièce. Oh. Dude, what the heck. Tranquille. Bro. Calme. Oh, really? Ok, no problem. C'est bien ça, t'avais raison. C'est le mauvais réflexe. Il s'est mis dans le coffre. Alright, guys, where we going? On va le laisser dans le coffre, hein. 2 secondes, mon gars. 2 minutes. Where you wanna go? Bon, bah voilà, on se retrouve à 3 avec un collègue avec un casque. You have your protection on your head? Il est là. On m'a entendu ou quoi? Putain, j'ai appuyé. Il a l'air content, le mec. Je sais pas ce qu'il fait avec ses bras là. Oh, s'il a le mal de. Ah, un rocher. Du coup, on pourra plus lâcher la voiture, sinon il risque de nous la prendre. Ah, il va nous la piquer. Non, mais au pire, je peux enlever une pièce en roulant. Je crois que si j'enlève une pièce en roulant, là, quand tu vas marcher. C'est ce que j'ai vu tout à l'heure, là. T'as en bas, y'a pas une caisse. En Zims. Peut-être que c'est une entreprise de création de munitions, c'est pas. Homme, depository. On peut aller fouiller ça. Ça a l'air impossible d'accès. Non problème, choose. On va voir ce qu'il a dit, mais
Ouais, on va dire qu'on va y aller. Il a dit laissez-moi là ou il a dit attendez-moi là. Ouais. Il a dit thanks, enfin merci pour le trajet. Comme ça, on va... Ouais, 50% de fuel, hein. Franchement, ça consomme rien. Hier, on a été... Hier, on a fait un peu les cons. Là, la première vidéo gameplay avec la voiture. Et là, du coup, c'est plus sympa. Moi, j'ai mangé quelques blackberries là. Voilà, un blackberry juice. Donc, vous allez voir, je suis à 13% d'énergie. Donc, ça va pas m'en donner pour beaucoup, je crois, 10-15%. Ouais, 10%. Par contre, l'hydratation, du coup, elle est remontée au taquet. C'est pratique. Bon, ben, du coup, on se taille. On va le laisser là. C'est... On aurait pu fouiller, mais je sais pas. Peut-être des munitions, on aurait pu choper. Mais il y a que ça qui nous manque au final. Franchement, dès qu'on aura les munitions, ce sera sympa. Donc là, là, à mon avis, on doit être à la première route perpendiculaire qui peut tourner. Bah, tiens, on va aller par là. Là, je pense qu'on est au-dessus de Pleasant Valley, non? Mais pourquoi il y a une route qui irait à droite alors? Je comprends pas. North Highway. Je sais pas. Bon, on a qu'à aller voir, ça risque de tomber sur un cul-de-sac. Donc là, on est dans la zone noire, hein, logiquement. Ouais, pourquoi il y avait une route qui allait vers la droite alors? Je sais pas, je sais pas du tout. On va sûrement se retrouver face à un cul-de-sac, je pense comme hier, un tunnel barré ou quoi. Là, je vois pas de logique là sinon. C'est vraiment que les lignes droites apparaissent longues. On va quand même plus vite en véhicule, hein, c'est sympa. Ouais, ouais, c'est sûr. Je crois qu'il y a un tunnel en face, comme hier. Ouais, il me semble que c'est comme hier, ça paraît logique pour bloquer la route. Là, il commence à avoir des pics sur la route, donc soit c'est un mec qui s'est éclaté. Fais gaffe en voiture. Ouais, il y a partout. Là, ouais. Ouais, c'est pas un mec qui les a posé ça. Ce serait trop con de s'emmerder à faire ça. Surtout que ça a l'air vraiment. Ils sont tous. Plus là, la voiture, je pense qu'elle a. Il y en a beaucoup, il y a un mur, il va pas. Ah, c'est bizarre. Franchement, soit c'est un mec qui est en train de se faire son camp tranquille. Soit c'est un guet-apens, on est trop con de s'y être. Non, c'est bon, il y a l'air. T'imagines là le mec, genre là il arrive vers nous en courant, genre pour nous piquer la caisse. Et ben ouais, le temps de faire le zigzag. Bon, on va se tailler d'ici, c'est bizarre. En tout cas, c'est le bruit. Ouais. Bon, vas-y, bah essaye d'aller nous prendre à droite alors. Ouais, d'aller te prendre tout droit. Ah non, à droite, ouais. Pour aller au maximum à l'ouest alors. Tout droit, il me semblait qu'on pouvait aussi aller à droite. Mais vu qu'on a tourné à gauche, tu restes en face. Ah ouais. Bon, mais du coup, on va aller voir tout ce qu'il y a tout à l'ouest de la map. Voilà. Mais là, ça, j'aurais bien. Franchement, si on n'avait pas croisé ce mec-là, j'aurais bien fouillé le gros entrepôt là. Ah, mais attends, t'as tourné à droite tout à l'heure. Ouais, j'ai tourné à droite, on était tout en haut. Au nord. T'avais tourné à gauche, moi. Non. Oh putain, y'a une voiture en plein milieu là-bas. Et ça, c'est une voiture fabricable. Ouais. Oh, en plus, celle-là, on les a jamais conduites. Ça te dit qu'on prenne celle-ci à la place de celle qu'on a? Vas-y, descends, dis-moi ce que tu trouves. Bon, par contre, quand quelqu'un descend, ouais, y'a pas d'animation, y'a rien. Ouais, rien. Rien du tout. Et 7% d'essence, à mon avis, c'est un mec qui l'a utilisé, il s'est barré là. Ouais. Ok, bon, on va pas la prendre. Alors, moi j'ai 39%. Je pense pas que ça aille beaucoup plus vite. Est-ce que tu veux conduire? Bah, tiens, vas-y, conduis. Pour changer un petit peu. Non, c'est bon. Tu veux pas te dire? Y'a le mec, sors pas, y'a le mec derrière. Je crois que c'est. Ah, ouais, c'est. J'ai vu un truc bouger derrière. Ouais, hein. Oh, c'était un mec, je l'ai vu. À gauche, on dirait un genre de. Je sais pas, c'est bizarre. Ah, non, c'est de l'herbe, mais avec le brouillard, ça faisait. On aurait dit un lac. Bon, ça aurait fait un lac un peu avec le niveau de l'eau, pas pareil à tous les endroits, donc ça aurait peut-être très logique. Bon, ben voilà, on va aller découvrir alors cette zone de la map non référencée. D'ailleurs, je sais pas pourquoi, c'est bizarre, sur aucun site à l'appareil. Donc, y a même pas un mec qui s'est amusé genre à la référencer, c'est bizarre. Peut-être une histoire, qu'on a une histoire dans le jeu qu'on a zappé ou une connerie. Qui explique ça, parce qu'à mon avis la question elle a dû être posée quand même. C'est bizarre, un carré comme ça, un rectangle noir hein, sur une map. Ouais. C'est vrai qu'il n'y a pas l'air d'avoir grand chose. Ouais. Ah, c'est peut-être tout simplement parce qu'il n'y a pas de ville. En tout cas, si vous le savez, vous pouvez le dire dans les commentaires de la vidéo. On les lira, enfin, on les lit tout le temps, donc voilà. Ça peut
pour nous éclairer là-dessus. Pas dire de conneries dans les prochaines vidéos. Voilà. La voiture, non, elle est pas prenable. Voilà, donc le jeu est vraiment blindé de trucs. Et je suis tombé hier donc du coup sur un site de craft pour un peu voir. Il va y avoir pas mal de craft à venir, peut-être même des sacs de couchage, et ça peut être super pour pouvoir par exemple se prendre une maison et un peu la privatiser pour soi. Là on est à Pleasant Valley. Oula. C'est quoi ce bazar? C'est pas possible qu'on soit à Pleasant Valley. On a... C'est pas possible. Là. Alors là, soit c'est que la map en fait. Elle fait un gros virage. Et continue alors. On va à Pleasant Valley. Ouais. Vas-y, et après tu iras à droite du coup pour monter vers le nord. Mais si on est là-haut, c'est que vraiment c'est foiré dans... Voilà, c'est vraiment qu'on s'est foiré, pourtant on était deux. Donc je veux bien qu'il y en ait un qui a un sens de l'orientation tout pourrave, mais pas tous les deux quoi. Donc là il y a un plan, on va voir où on est. On est bien à Pleasant Valley. On arrive du haut, d'accord. Ah, ah d'accord. Pourtant, c'est pas logique. Ça veut dire qu'on a tourné à gauche trop tôt, quoi. En gros. Donc on a Pleasant Valley, on arrive du haut, du coup. Attends, je suis pas sûr qu'on arrive. C'est bien nul. C'est bien nul. Donc là, il y a un mec derrière encore. Là-bas il y a un feu, ouais. Donc là, si on arrive du haut du coup, bah on fait demi-tour. Enfin, quoi, Pleasant Valley on l'a jamais visité, mais Je suis pas sûr qu'on arrive du haut. Là-bas il y a un mec, ouais. Il y a trois mecs même dans la maison, on reste taillé sur cette ville. Ici on arrive du haut, hein. Je sais pas. Là on remonte. On fait quoi alors? On reste ici? On un choix se pose devant nous. Voilà. Là, si on arrive du haut, c'est qu'on a dû tourner à gauche, se foirer. Il faut peut-être. Non, on arrive. Est-ce qu'il y avait un virage? Non, il n'y avait pas de virage. Bah, je sais pas d'où on arrive. Écoute, Mais si je continue haut, et que je peux tourner à gauche, en tête, j'aimerais bien essayer de revenir par la route qui est tout à gauche de la map pour voir s'il n'y a pas ce qui se cache tout en haut. On va faire ça. Au pire, on repassera par. Au pire, dans tous les cas, on repasse par le sud de Pleasant Valley. Donc là, on va profiter qu'on a de l'essence pour. Oui, tu peux aller à la zone où il y avait les pics au sol. Hein. Enfin, ah bah tiens, il y a deux mecs. Fonce pas dedans, sinon la voiture explose. Ça, non, c'est des zombies, d'accord. S'il y a trois zombies, c'est peut-être qu'il y a un mec dans la zone. Donc là, on quitte. D'ailleurs, il y avait un panneau, on l'a raté quoi. D'accord, ouais, c'était un panneau nul. Donc là, logiquement, on devrait repasser. Un puissant de volet dans pas trop longtemps. On a 25% de fuel, j'ai un bidon de fuel et j'ai. Normalement, de la graisse, il me semble. Je suis pas certain. Ah, animal fat, j'en ai aussi. Donc, normalement, je crois que chacun fait un quarter. Donc, un quarter, il me semble que c'est un quart du réservoir. Du coup, on peut remonter à 75% de fuel. Donc, on n'est pas dégueu. On n'est pas dégueu du tout pour cette vidéo. Là, il y a un mec dans le coffre d'une caisse. We see you. Hello. Il a dit I know. I know. D'accord, bon, je pensais qu'il voulait gratter pour monter à la caisse, à mon avis c'était un peu ça. Toi c'est le mec de tout à l'heure. Niveau santé, niveau goût. Non, ça commence à descendre. C'est vrai, j'avais pas vu, je vais me prendre un bug de juice. Ça c'est le problème en voiture aussi. Du coup on peut pas se nourrir. Enfin, on peut se nourrir en roulant, mais. Ouais, on c'est pas super optimal. Ouais. Enfin, ouais. Bon là du coup en plus j'ai plus rien à manger de ouf. Donc là, logiquement, on devrait arriver dans une zone pas dégueu. Donc là, la première route sur la droite qui remonte à Hunter Drive, je pense qu'on a dû la passer depuis le temps quand même. Là, il y a une voiture en feu là, il était pas tout à l'heure. C'est la voiture de flic. Ah, c'est la voiture de flic. Tout à l'heure, on a vu un flic passer 3-4 fois, ça va être le même. On va s'arrêter, je pense. Et franchement, je me tâte. Hein. Elle est en feu. Si elle est en feu, c'est qu'il a, il a cassé un truc alors. Franchement, je pense pour la fin de cette vidéo, donc je sais pas le temps qu'elle va durer quand on aura un peu visité en haut à gauche. Je passerai peut-être le volant à Inoxys,
Ou sinon, je pense que j'aimerais bien faire un peu de cross, faire des tests de solidité des véhicules. On verra ça peut-être pour la fin de cette vidéo. Enfin, du coup, là on est toujours gentil parce que c'est tellement rare d'avoir une voiture. Mais c'est vrai que ça peut être sympa de la tester, faire un peu les cons avec. Genre aller sur l'eau et tout. Donc on passera le volant à notre spécialiste Top Gear sur ma droite. Ah, tu la garderas, c'est bon. Tu garderas le véhicule en mode. Attends, je pense qu'on remonte là. Là, du coup, on serait au maximum. Là, je comprends plus rien cette map. Passe-moi le volant, c'est bon, j'en ai compris. Allez hop. Attends, je fais juste le plein. Est-ce que c'est, je peux le faire ou. Non. Alors, comment on fait pour faire le plein? Attends, je monte dedans. Je fais I. Donc, pour faire le plein, je fais I. Le biofuel, refuel véhicule. Hop, on a 43%. Les animaux fat, du coup, comme je vous ai dit tout à l'heure. Discovery. Je suis à côté, Gaëtan, pendant que je roule. Animal fat, mais je pense pas que je puisse la refuel quand tu. Ah, attends, bah ça va. Ah, voilà, et là j'ai créé du biofuel. Donc on va tester si on peut le faire à côté. Non, là t'as 43% de fuel, on est bien. Oh putain, ça y a eu un. Je sais pas ce qui s'est passé là. On m'a dit qu'elle était tombée sur la gueule la caisse. Donc là, si je fais l'inventaire. Donc les animal fat sont toujours là. Pourquoi, j'en sais rien, j'avais fait du biofuel il y a 20 secondes. Ah non, d'accord, voilà, je l'ai pas crafté. Ok, on craft du biofuel. D'accord, pour faire du biofuel, du coup il faut un feu. Voilà, il faut un feu, c'est bien ce qui me semblait. Donc voilà. Au pire on l'a en réserve. Est-ce que tu veux faire vite fait le plein de Blackberry? Ouais, on va en faire, ouais, je vais en faire, vas-y bouge pas. Surtout que je suis à 2% d'énergie là, j'ai canné dans pas trop longtemps. Si on se prend notre caisse, franchement, faut pas se foutre de notre gueule. On est quand même des mecs safe. Et là c'est vrai qu'on a. C'est peut-être pas le must de laisser la caisse comme ça. Évidemment, non. Sans rester autour. Voilà. Je vais prendre un peu là, il y en a un petit peu plus haut. Puis après on va quitter la zone. Bon là par contre je comprends plus rien. Parce que si le bout s'est bouché là, c'est vraiment que la zone en fait elle est toute foireuse quoi. C'est pour ça qu'elle est pas sur la map. Déjà je comprends pourquoi on se retrouve à gauche. Enfin je sais pas, on a dû s'embrouiller quelque part là. Voilà. C'est bon, t'es remonté? Ah ouais. Allez, let's go. Je vais profiter pour manger. On a un 4x4, c'est pas pour rien. Un pick-up. Les ricains ils rigolent pas avec ça. Niveau damage, ah je peux voir la voiture. Ouais. Bon, les damages de la voiture, je sais pas comment ça se passe. Parce que si elle fume, c'est qu'elle a plus d'essence ou c'est juste qu'elle fume? Voilà, c'est ça. Donc là, ok, on arrive à un endroit bouché. Ça paraît assez logique. Tu vas aller à gauche, à droite? Ah, mais peut-être qu'en fait, le tunnel. Peut-être que le tunnel où on était, le tunnel qui était bouché hier, c'est tout un. Quand tu montes de la map à gauche vers le nord, je pense que ça doit tomber sur un tunnel bouché. Et quand on arrive de là aussi, c'est peut-être pour ça. Il y a genre un truc. C'est quoi ça? Un terre-plein, c'est assez bizarre. Ouais. Donc, je te laisse le choix de la direction. Là, je vais fouiller vite fait. C'est un camp militaire? Non. Un genre de petit camp, enfin je sais pas, militaire, il y a des barbelés quoi. C'est pas militaire de ouf, mais il y a des barbelés. Là il y a du saumon du saumon rose de la mer. Du mom fish pink. Donc cuisiné par ma maman ou un truc comme ça. Et est-ce qu'on pourrait pas choper ici des munitions? Un truc de style là. Ouais, c'est un truc militaire, il y a des cages et tout mec. Cage. Ouais, des genres de prison. Peut-être dans un serveur roleplay, peut-être que ça pourra servir à faire un petit camp de détention. Attends, le terre-plein. Attends. Le terre-plein là, bizarre, il s'allumait en bleu quand je me suis avancé. Comme si c'était un item. Ah, attends. C'est un bug graphique. Bah, soit c'est un bug. Ah, bah là, il y a un puits, on peut récupérer de l'eau.
Et le terre-plein, je me demande si c'est pas un truc justement pour fabriquer quelque chose dessus. Une super voiture. Non, peut-être que je vais refaire une baraque. Je sais pas, c'est vraiment allumé en bleu, le tour du terre-plein. Je sais pas si vous avez remarqué sur la vidéo. Parce que je pense pas avoir pété un plomb non plus. Là, il y a deux tombes, on dirait. Ah oui, voilà. Là, j'y étais. C'est ça. Voilà, là, ça s'allume en bleu. Donc si je fais ça... Y'a un mec derrière. Y'a un mec derrière moi qui est en dans la voiture. C'est bon, go. Le mec, du coup, pour le coup, je l'ai pas vu, mais c'est pas grave. Fais gaffe au pic, ouais, n'oublie pas. Je pense que ça endommage la voiture. Bah, franchement, j'ai peur que ça explose. Hein. Une petite marche arrière. Du coup de nourriture avec mes Blackberry, bon, il faudra quand même faire le plein là parce que ça va vite descendre, vous allez voir. Voilà, par contre franchement niveau map je suis un peu perdu dans un âge où je ne vois pas trop où on peut être surtout qu'il n'y a pas la map déjà dans un premier temps et je sais pas. Parce que là, logiquement, si on continue tout droit, on descend vers le sud. C'est-à-dire que là, on serait totalement au nord. Dans la logique. Donc, si on descend du nord vers le sud, il faudrait qu'on tourne à droite à un moment donné, genre maintenant par exemple, mais il n'y a rien, pour aller sur la partie gauche de la map. Voilà. Voilà, là, logiquement, la route qui arrive à gauche, c'est la route qui arrive de l'est. Et la route, et à droite, il devrait y avoir une route qui va à l'ouest. Mais elle n'y est pas. C'est peut-être pour ça qu'on s'est perdu, c'est qu'en fait on peut pas y aller à l'ouest. Ça a dû lui monter, lui, ça a l'air d'être sympa. You want to go with us? You want to go in our pickup? Dis-lui qu'on lui veut pas de mal. Hein. Where you want to go? On va 3% de fuel. En plus, j'ai rien compris. Je te laisse conduire, Gaëtan. Ouais, là c'est pas trop safe. Hein. C'est pas trop safe, sinon la vol. J'aimerais bien choper une seconde caisse là. Ah, si on chope une seconde caisse, là on risque d'être vraiment très très bien parce qu'on va faire des collisions de ouf et tout. Ouais, ça serait sympa. Ça serait bien marrant, ouais. Et la prochaine vidéo, je pense que là, niveau du jeu, on a compris pas mal de mécaniques, du coup, on vous les a expliquées. Je pense que la prochaine vidéo, ça sera vraiment un truc où on a des armes. Parce que les armes, pour l'instant, on a vraiment rien montré de cette partie-là, la partie armes à feu. Et je pense que ça peut être sympa, genre faire des combats ou quoi avec des mecs. Parce que là, j'ai l'impression que pour l'instant, ils ont vraiment mis en retrait les armes à feu. À part les munitions qui tombent du ciel avec les airdrops des gars qui peuvent payer, quoi. Et les gars comme nous, qui jouent voilà, en early access seulement, sans payer des trucs supplémentaires. Ben, avoir testé, je crois que j'ai un ticket d'ailleurs d'airdrop, il me semble. Voilà, j'ai un airdrop ticket. J'en ai zéro. J'ai bientôt plus de nourriture, Gaëtan, donc il faudrait que tu conduises. Ouais, ça va. Il y a un mec. Bon, ouais, il y a un mec. Oh, il est mort. Ouais, cool. Vas-y, t'as fait demi-tour, on va lui choper son stuff. Oh, il y a Bruce Lee. Il va essayer de choper le stuff de son collègue. Non.
Oh, elle est trop solide cette caisse. Non. Oh non. Bon, fin de la... je crois que c'est la fin de la vidéo. Voilà. On aura fait un heureux. Au moins. On aura fait un heureux, le mec qui va être blindé de trucs. Il aura des mitraillettes, genre, il va péter un pont, il va rien pouvoir prendre quoi. Et voilà, et nous on a plus rien. Oh non, la voiture. Et le pauvre mec dans le coffre, même pas le connaissait. Il est mort pour la France. J'espère qu'il a eu le réflexe. Mais non, je le voyais, moi il était là jusqu'au bout, je crois. À vérifier sur la vidéo, mais il me semble que le mec. I'm sorry, man. Il est resté agenouillé quand le 4x4 il était à l'envers. Le mec c'est Spider-Man quoi, accroché par les pieds quoi au 4x4. Bref, on vous laisse là-dessus. Donc bonne soirée à vous et à bientôt alors pour une nouvelle vidéo. Ciao.